Si vous m'entendez, il s'agit là d'une remake, une performance que j'ai faite au Judson Church Theatre en 1968, qui est sur le thème de la saturation. On supposera que les HI agissent proprement sur un espace qualifié. Et alors, dans ce cas, nous trouvons que le groupe G agit lui-même proprement sur un espace LP pour P suffisamment petit. Les distributions de problèmes principaux suivants, les distributions prévues sur la fonction 6. Une gratuité analytique de la fonction 3. La fois, cette fonction, c'est 2D, c'est la partie de la F, une distribution différente. Alors, un groupe relativement hyperbolique, c'est une généralisation de ce groupe hyperbolique. Le groupe hyperbolique se demande. Le problème, c'est qu'en dimension 2, on demande une action propre et transparente sur un espace hyperbolique. Et en pensant à X et Y, tout comme
comme à... Passe-moi là, c'est là. Comme ça, c'est avec soi, on est vite. Donc, on va définir le plus grand. Il n'y a pas de chat, ce moment-là. Soi. On a dit qu'on deux estimés, on les a la fois ce qu'ils sont. On va plonger en profondant. À chaque fois, c'est une estimée différente. La première, on sait ce qu'on fait. C'est pour le droit, on rentre par un champ, on les orbite. Et une autre, on remet. Il n'y a pas de petite ascensée, mais par contre, la lumière de croissance. Donc. Voilà. Une troisième barre, c'est le cas focal. Je vais un peu plus loin sur un point. Une singularité d'énergie en décroissance, par contre, le tout est transgéré. C'est ça, n'est pas un point. Et ils ont bien servi pour les deuxième partie. C'est ça, on est tout de suite à l'instant. On est tout de suite à l'instant. Le premier pas, le flow, va donner la mesure de l'uniformément distribué. L'uniformément. Et nous, on va faire. C'est le cas pour ce point. On va faire alors celui-là. C'est la mesure. Celui-là. Je ne peux pas se produire. Maintenant, je vais bien se mettre. Là, on vient de longueur des ondes de l'immense présence. Et parce que selon cela, c'est un peu plus tard. C'est un outil pour la partie en état. Alors, ensuite, là, c'est une partie qui traîne à cause du tunnel. Parce qu'on a une position singulière. Parce qu'on a une position singulière. La position est difficile. Ça devient 90. On peut avoir des choses assez méchantes. Que pour se donner une proposition, ça peut être très bien. Voilà, donc au premier cas, on va obtenir une mesure qui est portée sur cette boule-là. Donc, et au deuxième cas, on va continuer à faire dans le café. La mesure va continuer à faire une proposition qui est sur la marche. On va aller sur une boule à moitié convertible. Donc, techniquement, il ne faut pas que ce soit défini. Sur le champ, si vous avez un cours, c'est bon faire ça. Et l'avantage, c'est qu'en réalité, si à cause de la perte de l'apprentissage, on sait, on met une petite croissance en plus, de nous permettre sur un champ, c'est comme ça. Ici, je veux que mon temps de croissance, j'arrive, il s'agit de l'échéancé, mais si on peut dire un dit, supporté. Et pour ce terme-là, j'ai deux destinées, je vous dis ça pour la fin, ça ne va pas être ça. Certes, encore une fois, je vais faire beaucoup de la croissance qui est nécessaire, mais j'interviens aussi en plus. Thank you.